Donc là, Zama, ma fille, elle est très bien de Walid. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Mais ouais, j'atterris. Mais tu vois. Mais c'est très grave, voilà, c'est très bouge, grave. Bouge, c'est bon. Oh, j'entends. Ouais, j'entends. Qu'est-ce qu'il fait, Walid? Il est en train de vendre, hein. Ça se fait bien. Et voilà, monsieur. J'espère qu'il regarde pas mon live. Un mec, dis-moi. Clochard, va, c'est le clochard. C'était pas lui pour la livraison. Fallait juste me répondre non, monsieur. Bah alors, hein, ça va, au calme. Ah putain, j'étais pas. C'est pas vous pour la commande, monsieur. Ah non, c'est pas moi, Roya, non, c'est pas moi. Ça vous intéresse pas, 170$. Ouais, j'ai une tête de camé et tout. Non, bah, écoutez, tout le monde est intéressé, j'ai l'impression ici. Pourquoi pas vous? Ah, donc là, t'es en train de dire que j'ai une tête de camé, c'est ça? Non, c'est vous faites le là, t'es en train de me dire que j'ai une tête de camé. Calm down. Je me calme. Mais calme-toi pas, t'es un malade ou quoi? Oh merde. C'est grave. Ouais, allô? Ouais, Roya, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça fait longtemps, des fous. Tu deviens quoi? Ça fait longtemps. Et alors? Hier. Ouais, bah laisse tomber, Roya, moi je me suis échappé. Mais comment ça, tu t'es échappé? J'ai mis un couteau sur la gorge, Roya, au policier. Mais comment ça, t'as mis un couteau? Mais. Bah, en t'es gros. Je sais pas, Roya. Moi, après, je l'ai redéposé au commissariat et je suis parti. J'ai foutu la voiture dans l'eau et puis je suis rentré chez moi, j'ai dormi. Oh, elle est tombée, moi ils m'ont chopé. Apparemment, moi, tu sais, ils ont dit quoi dans la lecture de mes droits? Ils ont dit quoi? Braquage de bijouterie. Alors que tu dormais dans le coffre. Je ne comprends pas le pourquoi du comment. Heureusement, il y a eu un vice de procédure. Je suis sorti. Quoi, mon pote, tu attends, sais, ça veut dire là, t'es pas au HEPS là? Là, je suis pas au HEPS, là, je suis libre. Je suis en train de vendre au Nord, putain. Qu'est-ce que tu fais dans le Nord? Je suis en train de vendre. Tu vends quoi? De la weed. De la weed, ça te rapporte combien? Ça dépend, en moyenne 200. 200, 238, ça dépend, 278, ça va, BNF, mais... BNF, hein. Hey, dis-moi. Je pense qu'il y a moyen que toi et moi, on fasse un petit business. Ouais, dis-moi, vas-y, je t'écoute. Écoute, moi, c'est simple. Toi, t'as l'argent. Moi, j'ai les mains. T'as dit, on investit dans un petit crack house. On investit dans quoi? Crack house. Bim, directement, on produit... Écoute, on produit notre marchandise, moi je la vends. En fait, moi je fais tout, toi juste investis. C'est toi qui payes, moi je gagne de l'argent. Que tu veux faire une crack house? Exactement. En vrai, pourquoi pas, hein? Mais tu veux la faire où, la crack house? Écoute, c'est toi l'investisseur, je te laisse décider, moi je suis juste les mains. Donc, on va prendre une maison toute éclatée dans un quartier, et on fait la crack house. Oh, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Vas-y, je connais un appartement juste en face du Comico si tu veux. Ouais, mais est-ce qu'il y aurait pas un peu plus loin dans les quartiers? Ça perd ses couilles. Ça va sentir. Mais non, ça. À moins que t'investisses dans le système de ventilation, ça va te coûter encore 3 fois plus cher. Vas-y, de toute façon, j'ai 2 clés en rab là au bled, je vais les ramener. Ok, c'est parfait alors. Vas-y, descends dans le sud, d'accord? Salut Mathieu. Oh, tu m'as fait peur, c'est pas quoi, Walid? C'est non. Ouh, on dirait toi, Roubaix. J'avais marre de toi. Tu veux déposer où ton argent? Chez moi. Vas-y, mets-moi ton adresse. Oh là là, tu sais toujours pas où j'habite. J'habite là, mon pote, j'habite là. Mais moi, j'ai du mal avec le quartier pauvre, hein, je te dis direct. Mais c'est Marina, c'est quartier riche. Quartier riche, Marina? Bah oui, côté Marina. Quartier de Poiscaille, quartier de Sardine, ouais. Oh là là, mais comment t'es jaloux? Je sais que t'es jaloux. T'aimerais pouvoir acheter ma maison. Mais écoute-moi bien, je la vends pour 1 250 350$. Allez, c'est bon, ça me va. Ok. J'attends le virement. Moi je peux pas, y'a pas de virement quoi, je paye cash. Oh, le virement. Mais t'es malade toi ou quoi? Regarde, c'est ici. Attends, tu vas prendre. Ah oui, c'est vrai. Allez, mange la maison, tu veux rentrer? Non, vas-y. Ça va aller. J'arrive. T'as besoin de quelque chose? Ouais, t'as un menu? J'ai des burgers et tout, ouais. Vas-y, let's go. Let's go. Je savais pas que t'étais aussi rapide, putain. Ouais, je suis rapide de fou, hein. Non mais c'est trop, j'en ai marre. Mais je crois que je suis recherché par la police, je vais aller vérifier, regarde. Il fait pas de bruit, c'est un électrique? Exactement, t'es perspicace, toi. Ah, disons... Ça va pas, monsieur? Bonsoir, monsieur. Oh, votre collègue, il faisait le poteau, c'est comment? La vitesse est un petit peu excessive. Non, c'est vrai, je suis désolé. Non, là, j'ai dérapage déconné, là. Mal contrôlé, monsieur, dérapage mal contrôlé. Non mais c'est vrai, non mais d'habitude, il est jamais là, c'est pour ça. Et là c'est... Oh le pauvre, oh non. Oh monsieur. Ça va? Oh je suis désolé. Oh putain. Y'a des EMS ou pas? Non je crois pas. Ouais, mais... Si je pense.
je pense. Ah non. Non, vraiment pas mesquin. Bande de criminels, va. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait d'accord. Attends, j'ai un défibrillateur. Écartez-vous. C'est super chaneuse. Ça va, j'étais à peine effleuré, t'as eu de la chance, hein. Ouais, à peine, ouais. À peine, à peine. Je suis désolé, Roya, d'habitude t'es jamais là, c'est pour ça. Peut-être pour ça, après il y avait un arbre quand même, l'arbre voulait pas toucher quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que l'arbre, non, l'arbre, la nature quand même, Roya. Encore une fois, désolé, messieurs. Ah, bien sûr, vous inquiétez pas, merci, merci. Tenez, j'ai un hamburger. Apparemment un braquage. Ah bah merci, j'avais faim. Tenez, j'ai une cigarette. Oh, je fume pas, non. Je peux compter. J'ai une petite éponge si ça vous voulez vous éponger. J'ai une boisson. J'ai une boisson. Non, c'est bon, arrêtez de me traiter. Voilà, j'ai un outil, j'ai un petit outil pour faire du bricolage. Allez, vous laissez-moi tranquille, monsieur. Laissez-moi. Voilà, j'ai un bandage si tu veux. Viens, je te donne un bandage. Non, bon, viens. Moi, je veux pas. Vas-y, par contre, tiens, un bandage. Vas-y, hey, les gars, est-ce que vous pouvez me dire si je recherché par vos services? Attendez, je vous je pense que oui, mais bon. Mais on d'accord. Jamais sûr. C'est Mathieu Canez. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, je suis recherché. T'es recherché depuis 14 jours. Comment ça se fait? Ah, attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Désolé. Comment ça, depuis 14 jours? Je sais pas, mais cours. Regarde. Comment ça, depuis 14 jours, je suis recherché? Ouais, du recherché, ouais. Mathieu Canez. Non, c'est pointé. Oui, voilà, je devais pointer tous les jours, c'est ça. Jamais pointé, mais faut pointer aussi, là. Allez, je pointe, allez, c'est parti, on va pointer. Attends, mais t'es bien recherché, par contre, hein. J'ai regardé ton casier judiciaire, c'est individu recherché, hein. Mais depuis quand, depuis quand? Oui, mais c'est pour le du coup, les mains en l'air, monsieur, les mains en l'air. Ça y est, ok. Wouh. Ok. Mais pas toi, 86, pas toi. J'ai rien fait. J'en ai vu marre. Vous êtes recherché pourquoi? Mais j'en sais rien. Oh, hop là. Non, tu me tires dessus, je lui mords les fesses, je te jure, je lui mords les fesses. C'est pas toi qui a pointé un couteau sur un de nos collègues hier? Non. C'est lui, il pointe. Mais non, mais c'est pas moi. Je te pointe en même temps. Oula. Pointe avec quoi? T'es mal, sors tes fesses. Sors tes fesses. Quoi, mon cul? On va se calmer. Bon, on va se calmer, on va discuter comme des. Voilà. On va discuter. Bon. Vous auriez pas pointé un couteau sur l'un de nos collègues hier soir, par un pur hasard? Non, ça me dirait. Vers quelle heure à peu près? Vers l'heure après que vous êtes sorti du bowling, où vous étiez amené au poste, où vous auriez dû avoir vos procédures, où vous êtes parti avec le véhicule de police, par un pur hasard. Non, ça me dit rien. En fait, il m'a redéposé, il m'a dit il y a eu un vice de procédure, et il m'a redéposé au Burger Shot. Il m'a dit parce qu'en fait, on m'a pas allumé droit. Sûr ? Ouais, on nous a pas dit ça, on a dit qu'on vous a desserré les menottes, et vous avez profité pour mettre un couteau sur sa gorge, et vous lui trancher comme une chèvre. Mais j'ai même pas de couteau. J'ai que des C4 et des Beretta sur moi. Oh, c'est nerveux ça. Non mais après on me les a saisis hier, j'avais que ça. Je vais signaler qu'on vous a vu et vous êtes reconvoqué, je pense. En tout cas, vous êtes recherché, monsieur Ranez. Oh merde. Bon bah vas-y. Je vais vous arrêter là. Bon bah vas-y alors. Quand je vous a... bah, vas-y, mets-moi les pinces. Voilà. Hop là. Putain. Oh, attendez, on m'appelle. Ouais, je peux pas te répondre là, j'ai cassé les menottes, mais à tout à l'heure. Waouh. Comment ça, vous cassez les menottes? Genre, j'ai de la force de fou, hein. Ah ouais, Roya. C'est beau. Putain, t'imagines, Roya. 49 de 08. Recherché. Wally, t'as une pince ou pas? Individu recherché ou pas? Non. T'as pas de pince? Non, j'ai pas de pince. Non, vous avez pas de pince, toi. Dommage, putain. Cours. Wally, cours. Wally, cours. Mets-toi derrière moi, protège-balle. Ouvre la porte, Wally. Vas-y, monsieur, tout de suite. Ouvre la porte. Mais mets-toi devant moi, connard. Pas derrière moi. Putain, mais il est con. Roule. Doucement, j'ai pas de ceinture. Je me suis fait flasher. C'est pas grave, c'est moi qui paye. 25$ tu me dois. Bon, Roya, j'ai pas de pince, faut trouver une pince. Tes contacts. Tu connais des contacts, non? Moi, j'ai des contacts. Le mec des AOD, peut-être qu'il a une pince, lui. Mais je l'ai vu tout à l'heure, il m'a dit, ne me refais plus ce que tu m'as fait hier. Oui, d'accord, mais appelle-le. Ok, messieurs, d'ici ce LSP. Oh putain, ils ont retrouvé. Oh putain, bon. Écoute. Normalement, tu peux laisser, mais il monte à 250 km/h hein, sur une ligne droite. Ouais, attention, j'ai pas de ceinture. Hein. Ouais, mais t'inquiète, je suis un pilote, oh loulou. Voilà, ligne droite, c'est réglé. Arrêtez-vous. Allez, c'est parti. Voilà. Mais non, pourquoi tu fais ça? Les brains. Pas vu, ils m'ont pas vu. Non, ils t'ont pas vu. Bon, c'est bon, ils m'ont pas vu. Là, ils savent. Non, ils savent pas. Je prends pas la sortie. Bah, non, ils savent pas. Je suis un pilote. Bah, voilà, ça y est, il a fait d'embrouille. Je suis un pilote. Comment c'est, t'es un peu. Attends, doucement, le verre, justement. Cherche dans le coffre, il y a peut-être une pince dans le coffre. Ok, je vais essayer de check, attends. D'abord, faut que je me mette dans un endroit. Oh putain, ils sont encore derrière. Ils ont. Ah, mais ils veulent pas me lâcher. Mais regarde, c'est toi. T'étais là, tu discutes normal. Oui, bah attends, on ira. Oh, wow, belle voiture. On ira la voler après. Oh là. J'ai un plan. Ouais, ça. Attends. Mais non, fais quoi. Vous doutez trop de moi.
Mais t'as pas besoin de plomb avec un véhicule comme ça, regarde. On est mort. Vas-y, mets-moi, vas-y, les passes. Oh, putain. C'est pas grave, attends. Regarde le coffre. Y'a une passe. Vite, ils sont là, vite. C'est bon. Oh putain, t'es vraiment... Je suis pas là. Enlève les mains. On a besoin de code 5 au Nifty, s'il vous plaît. Il est con, voilà, c'est un bourricot. C'est un bourricot. Allez, monsieur McMurphy, hop. Mais j'ai fait quoi? J'ai rien fait. Non mais c'est pas lui qu'on cherche. C'est pas grave, il l'a aidé. Il est dans le coffre, l'autre. Non, il est parti tout droit, là, la petite porte. Un bourricot. Il est parti par la petite porte. Bah oui, il y a une autre sortie. Oh là là, mais vous êtes pas assez efficace. Y'a un coffre sur ça? Deux de cul, voilà, c'est grave. Bonsoir, les collègues. Ouais. C'est grave. J'ai une idée, j'ai un plan. Comment ça s'ouvre, ça? Une empreinte, faut quelque chose, non? Je sais pas, je vais taper dessus, hein. Vas-y, taper dessus. C'est bon, je me rends, ça y est. Ah, il est là. C'est bon, je me rends. Arrêtez de courir. Je me rends, c'est bon. Ah ouais. Allez. Putain. Ah bon, alors, c'est jamais Monsieur Ranez. Non, c'était l'heure du footing. Hop. C'est pour ça. Oui, bon, menottes. Le correctement. Il sert bien les menottes, apparemment, ça le dérange. Il rend mes menottes, après, c'est mes menottes. Putain. Allez. Alors, Monsieur Ranez, comme ça, on menace des agents à nous pour s'enfuir. Bah, hein. Même pas, c'est Walid, il m'a dit monte, je suis monté, hein, c'est tout. Eh, je vous parle d'hier, Monsieur Ranez. Bah non, je vois pas de quoi vous parlez hier. Mais pas de quoi vous parlez. Bah c'est... Attends, c'est quel agent que j'ai menacé? Ramenez-le-moi. Bah il va arriver. Ah, voilà. Pas tard dans la soirée, parce que bon... Voilà. Ah, pas maintenant, là? Ah non, je pense pas. Ah, je pense non plus, hein. Et de dormir, hein, sur Hello. Ouais, je pense aussi. Ah, je pense surtout que vous l'avez traumatisé. Non. 14 49 19 Et par contre, votre véhicule, là... Oui. Il passe la vitesse de la lumière, on est d'accord? Ouais, mais vu que le conducteur c'est un bourricot x 1000, donc il a toujours des idées de génie, donc c'est ça compense un peu, tu vois. Oui. Ok. J'avoue que le Nifty c'était bien tenté, j'ai entendu la porte, hein, dommage. Non, mais c'est un bourricot. Bon, après, on vous avait pas vu aller tout droit, donc forcément vous avez tourné aussi. Non, mais c'est un bourricot, je le redis, mettez ça dans la déposition. Walid, t'es un bourricot. Putain, tout était parfait, quoi, merde. C'est vrai. T'es McMurphy. Walid, t'es vraiment un bourricot, hein. Mais pourquoi, mais. J'ai tout fait pour te sauver, bon. Putain, allez, venez, messieurs. Les collègues. En plus, c'est dit, et j'ai tout fait, quoi. C'est grave. Les collègues, c'est moi, je vous ai donné la position. J'espère recevoir l'argent. Ranez, je vais vous démonoter. Servons, monsieur McMurphy. Je vais contacter 46, savoir ce qu'on fait de lui. Ouais. C'est à cause de lui que je me suis échappé, hein. Hey, c'est complicité là. Complicité. Ah oui, complicité. Hein. Refus d'obtempérer surtout. Dès de suite, refus d'obtempérer. Hein. Mais ce qu'on fait de vous surtout. En fait, de base, moi je pense que c'est plus un bracelet. Je repointe quoi. Oui, vous pointez comme vous avez fait depuis que vous êtes en contrôle judiciaire. On attend de la proc quoi. De toute façon, la proc, je couche avec elle, donc bah les couilles. Non, je vais le faire. Ah ouais. Bah le gouverneur aussi, c'est mon petit. Calme-toi, 50. Ah bon? Oui. Je te laisse contacter. C'est un film de fou. Allez, let's go en interrogatoire alors, je suis chaud de fou. Comment ça un interrogatoire? Hey, Jack Sparrow, tu vas te calmer. Vous allez me poser des questions parce que là on est dans un couloir là. Bien dans le couloir, non? Mais non, mais je suis en train de regarder. Mais non, mais faut un bureau quand même pour discuter et tout. L'inculpation. Là, les gens ils vont m'entendre, ils vont savoir que je suis un gros thug. Oui, c'est vrai ça. Eh ouais, vous étiez où hier soir, monsieur Ranez? Hein? Vous étiez où hier soir? Attends, tu parles à qui toi? À vous, monsieur Ranez, hein? J'étais avec ta mère à l'unicorne, si tu veux tout savoir. Les termes sont dits. Viens là, McMurphy, mets-toi là-bas, McMurphy, dépêche-toi là. Parle pas mal de ma mère, toi. Parle pas mal de ma mère. Oh, on se calme. Oh, je porte plainte. Et mettez-vous contre le mur, vous, au niveau du pôle. On va procéder à une petite fouille déjà. Ouais, allez-y. Ça fait que vous avez rien de spécial sur vous. Non, j'ai rien. Dans le sac à dos, qu'est-ce qu'on a? Levez les bras, nickel. Oula. Rien d'anormal, juste des burgers, des bombes de peinture. Putain, vous êtes pauvres. C'est pas ce canon long là. Ah, c'est des panini ça. C'est canon long là que je vois dans votre sac à dos. Ouais, j'ai 19 panini. Ça, c'est un panini ça? Ouais, j'ai 19 panini. Oui. J'ai un pistolet factice. J'ai des menottes. Bon, c'est vrai, attendez, j'ai 9 paires de menottes. Ça, c'est avec ma femme. Mais ça regarde que moi ça. Hop. On va l'essayer hein. On va le tester, on va voir s'il est factice. Fais voir l'armoire là. Ouais, il est factice des fous hein, c'est pas. C'est un panini, c'est ça? Oui, c'est des panini, ouais. Panini à quoi? Parce que je crois qu'il faut que vous ayez essayé... Des panini sauce harissa.
Attendez, je monte à la salle au stand de tir, j'arrive. Ouais, ça marche. 49, venez avec moi au stand de tir, s'il vous plaît. Bah voilà, donc ça, c'est des trucs internes. C'est quoi, attends, c'est quoi ce bruit? Ah, couchez-vous. Oh putain, c'est quoi ça? Oh, je suis rendu gelé par balle, attendez, il est bon. Ça va, c'est rien. Il nous fait quoi? Sur bien les paninis, en vrai. Monsieur Ranez. Oui. Monsieur Anini, là. Oui. On est sûr de quoi? Oui, une fois qu'il est posé, comment vous faites pour le faire sauter, votre panini? Ah, venez, je vous montre. Ah oui, j'ai besoin de mon je trouve pas le dispositif en fait. Ouais, j'ai besoin de mon pistolet à plomb. Vous avez besoin de votre pistolet pour le faire péter. Ouais. Vous l'avez foutu où? Il est là, votre pistolet. Ouais, donnez-le moi. Et vous l'avez foutu où le panini? Bah, il est par là-bas, venez. Vous rendre votre Beretta, vous avez le PPA vous? Bah, bien sûr, j'ai le PPA. Vous savez que le Beretta c'est pas permis. Bah, au Maroc, si, hein. Ah bon? Oui, on est pas au Maroc ici. Il est juste là, là. Attends, mais. Vous avez des balles explosives ou quoi? Oula. Il s'est passé quoi? Moi, j'ai tiré sur la cible. Bah, voilà. Mais vous avez tenté de me tuer, là, je crois. Non, vraiment pas. Oh bah. J'ai reçu des débris. Ah, oh, putain. Des débris de quoi? De panini? Des débris de cible dans la gueule. Oh, putain. Des débris de cible. Oh, ça va aller loin, cette histoire-là. Oula, allez-y, levez-vous. Oh, bah viens, je peux pas, j'ai mal. Oh, j'ai trop mal. Vous avez mal? J'ai trop mal. Ah, oula. Je sens plus mes jambes, là. Ah, oh, putain. Ça sentez plus vos jambes, carrément. Ah, je crois que c'est... Je crois qu'on appelle ça une bavure, ça. B-A-V-U-R-E. 6 lettres, bavure. J'ai rien fait du tout, vous voulez que j'appelle les médecins, monsieur Ranez? R-E-C-C-C-Lettre, bavure. J'ai d'appeler les médecins, on va voir s'ils sont disponibles. Oh la vache, l'explosion elle m'a niqué mon deuxième œil. Ah, bah y'a pas de médecin, monsieur Ranez. Tiens, on fait pouvoir marcher sans deuxième œil ou pas? Oh putain, ça va être chaud. Vous voulez qu'on mette de l'eau sur votre œil? On va passer aux toilettes si vous voulez. Je me suis pris un C4, tu me dis de voir de l'eau, comment ça? Ah, c'est un C4 du coup. Bah ouais, c'est un C4 que tu m'as mis, t'as bien vu, ça fait boum. Ah. Criminel, va. Vous me dites que c'est un panini, moi, j'en sais rien. Bah oui, mais mon panini, il fait pas ça, moi. C'est toi qui as mis un C4. Pardon? Ah oui? Bon, panini, je pense qu'on va vous les laisser. Par contre, pour le Beretta, on va le garder. Ouais, ça marche. Vous avez le permis de port d'armes, du coup, vous? Oui, tout à fait. Voilà. D'accord, parfait. Ok. J'ai passé mon permis de voiture, bon. Il a dit. Oui, parfait. Écoutez, vous allez pouvoir y aller. Toujours. Agression, du coup, vous avez dit 55. Ah, oui, non. Je prends juste l'agression d'hier. Oh non, pas vraiment d'agression, en vrai. Bah. Vous avez agressé qui? Bah, personne, je sais pas. Bon, la vérité. Mais j'ai vraiment agressé personne. Regardez mes yeux, avec votre œil, regardez mes yeux là. Oui. Regardez bien mes yeux là. Bah, à part l'agression regardez que j'ai subie. Bien mes yeux à là. À part l'agression que j'ai subie là actuellement au stand des tirs, vraiment j'ai pas eu. Mais ça reste entre nous, ça je porterai pas plainte pour ça, t'inquiète. Alors, du coup, l'agression. Bon, allez, ce soir j'appelle Riggs, j'ai de la merde. Parlez de quoi? Oui, d'accord, le C4 qui m'explose dans la gueule et tout. D'accord. C'est à vous le C4, c'est pas moi. C'est ah non, moi j'ai des panini, j'ai pas des C4. J'ai pas des C4, ah, j'ai bon. Pas de C4. Ah bon? Vous voulez que je refouille dans votre sac? Bah oui, y'a que des panini. Ah oui, c'est sûr. Bah oui. Des panini qui clignotent. Après moi perso j'ai faim, hein. On peut tous les prendre, non? Bah ouais, hein. Regarde, premier panini, c'est celui-là, voilà. Ça c'est la petite boisson qui passe avec, ok? C'est un burger ça. Ouais, c'est un panini burger quoi. Oui. J'en ai marre de vous. Non. Allez, mettez-lui le refus d'obtempérer, qui se casse, j'en ai marre. Voilà, let's go. Oh, il m'a eu à l'usure. Franchement. Alors, bon, je vous mets une amende du coup pour refus d'obtempérer. Allez, monsieur Ranez, vous allez pouvoir y aller. Combien? 150. 150, alors, ça va en vrai. Oui. À vous, j'aurais pu vous mettre combien? Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Oui. J'ai rien fait? Vous êtes en train de me fouiller. Mais non, tu m'as dit regarde-moi dans les yeux, donc je me rapprochais de toi, c'est tout. Ah oui. Ok. Allez, je sors par là? Oui, allez-y. Allez, sortez. Bon courage! Merci, à vous aussi. Ah, c'est des flics, on peut pas les prendre. On peut pas prendre leur truc. Oui, allô? Ouais, t'es où? Là, je suis avec 30, il me fait passer un tabac, apparemment, je sais pas quoi. Il te fait passer quoi? Un tabac, je sais pas quoi, c'est ça. parce que grâce à lui, en fait, j'ai pu faire un vide de procédure. Il va te faire passer un tabac? Ouais, voilà, et là, le problème, c'est à cause de moi, il va être rétrogradé, et du coup, il est pas d'accord. Et du coup, il va te faire passer un tabac? Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire qu'il va te tabasser, l'Ahmar. Ah, quoi? Ben oui. C'est un interrogatoire. Mais voilà, il est con. Mais c'est trop lui. Aïe, mais non mais. Oh bah putain. Allez, Wally, il monte. Ok. Il m'a posé des questions putain, et tout. Vous êtes pas garé. Mais encore vous. Là on est bien garé de fou là. Oh, bah ouais, je vois pas où est le problème. Allez, bon salut 08. Hey, attends, en fait 08, attends. Ouais, dites-moi. 08, attends, tu m'as pas rendu un truc tout à l'heure. Quoi? Le truc que tu... Bah si, le truc que tu... Merde. Oh, désolé. Oh, t'es sûr? Oh t'es sûr? On t'avait prévenu 08. Une oh t'es sûr? Une, pas deux, c'était réel. Qu'est-ce que vous avez encore fait? Bah il m'a frappé et du coup je lui ai remis le coup de poing quoi.
Ouais, c'est mérité, c'est mérité. Je te suis jure, témoin. Je te jure, je suis frappé. C'est encore le défibrillateur. Attends, pas pour ça, pas besoin d'un défibrillateur normalement. Oh, vite. Ah ouais, là, oh, je peux plus rien faire là, quoi. Ah ouais, je crois que c'est rendez-vous à la morgue. Hein. Oh non, 08. Putain, on va prévenir le Wizard News. Hein. Ah bah voilà. Oh, ça va pas, vous avez un. Oh, j'ai accroché du droit. Bah, attends, mais ça veut dire, tout à l'heure, je t'ai tabassé avec ma voiture et là encore. Oh, mais c'est trop, Luc. Ouais, vous m'aimez pas, monsieur. Bah ouais, mais pourquoi tu m'as frappé? Vous avez pris quoi? Non, mais j'ai oublié, ça y est, j'ai oublié, tu vois. J'ai oublié. Ah oui, bah oui. Allez, bonne journée, monsieur. Salut. Ça prend. Bon, bon, revenons dans notre business. La Carhouse. Ouais. La carte chaud ou pas? Bah, appelle LS Holmes. LS Holmes, et je vois, vas-y, je les appelle. Ouais, ça va ou quoi? Ça va et toi, mon gars? Ouais, tu m'as appelé, du coup, je t'ai rappelé. Ouais, je t'avais appelé parce que tu m'avais rappelé. Ah, bah, du coup, moi, je te rappelle parce que tu m'avais appelé. Mais non, parce que moi, je t'ai appelé parce que tu m'avais appelé parce que tu m'avais rappelé. Ah, d'accord, bah, vas-y, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi, mon gars? Ça fait quoi? Bah, écoute, là, on est en vacances, du coup, on prend des pizzas Canada, des Sex on the Beach, des Moritos, tout ça, t'as vu? C'est bien, ça, t'as arrêté de vendre? Bah en fait là je suis en vacances pendant 2 semaines. Ah t'es en vacances pendant 2 semaines? Ouais. Et du coup tu connais des meufs et tout? Non je connais aucune meuf moi j'aime pas attends, trop les meufs. T'es où là? Là je suis à la station essence pas très loin du Wizen. Vas-y j'arrive, je te présente une meuf. Vas-y. Walid dit rien hein. D'ailleurs elle est belle cette voiture. Il est trop bête. Ben voilà il est trop bête Walid. C'est là Roya, c'est une Tempesta. Il est trop bête. Normal mais des tempêtes. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est incroyable! C'est à peu près ça, ouais. Attends, reste là, bouge pas. Ok. Oh, il vient, je te parle vite fait. Ouais. Let's go, on va parler business. Bon, écoute, la meuf, elle est extrêmement chaude, ok? Elle est dans la voiture, la Tempesta. T'as rien à faire. Ouais. Tu rentres, tu passes la première, tu fais ce que tu veux, elle fait le reste. Ouais, mais moi, je t'avoue, les femmes, enfin, j'ai. Tu préfères les hommes? Non, mais je suis encore jeune, tu vois ce que je veux dire? T'inquiète, hé! Elle est expérimentée de fou. Je t'ai dit, t'as rien à faire. Tu poses les mains sur le volant, elle s'occupe des pédales. Ok? Tu vois l'idée ou pas? Elle pédale pour moi? T'inquiète même pas, Roya. Elle va te. Tu vois quand tu vas à l'essence, quand tu fais le plein? Et ben elle, c'est une anti-station d'essence. Elle fait le. Elle me vide, c'est ça t'as voilà, me dire? Voilà, c'est ça, ouais. Ah ouais. Donc écoute, ouais. Troy. Ouais. Tu vas les yeux fermés, mais pour de vrai, tu montes, tu décolles et tu commences à lui parler. Salut bébé, vas-y. Ferme les yeux, tu vas. Regarde, tu te retournes à l'instant comme ça, tu vas. J'y vais, vas-y. Vas-y, on est ensemble, là. Force. Mon gars. Allez, go, j'ai go, go. J'ai fermé les yeux. Ouais, va, un petit peu sur la gauche. Gauche, ok. Vas-y, va tout droit. Tout droit, ouais. Vas-y, encore. Sur la droite, un petit peu. Et là, c'est bon, t'y es, gamin. Vas-y, fais-toi plaisir, hein. Ouais, salut, ça va. Mais t'es un mec? Démarre, vite. Quoi? Mais t'es un mec? là. Mais t'es un mec. Ouh là là. Oh, il est vraiment con là. Il me fume. Oui, allô. Ouais, t'es où? Casse, on est... Casse. Oh, il va te casser le cul, je crois. Bah, il a déjà cassé ta voiture. Voilà. Attends, vous allez faire quoi, là? Mais je sais pas, il m'a demandé si j'étais une fille de joie. Je sais pas pourquoi. Bah sinon, un petit lapinou, ça se passe comment? Ouais, T'as de l'argent ou pas toi, Troy? Oh, c'est orphanat. Ah! Oh putain. Oh merde, il a dit mon petit lapinou. C'est une autre facette de Walid, ça. Quoi? Ouais, Troy, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça dit quoi alors? Bah la demoiselle, elle est sympathique, tu vois. C'est une fille de joie. Elle est joyeuse, tu vois. On est d'accord. Ouais. Tu l'as emmené à la casse, là. Ouais, je l'ai emmené à la casse parce que c'est un point un peu tranquille, tu vois. Si je dois faire des trucs. Casse-la bien comme il faut. Je vais la casser comme il faut. Mais là, j'ai fini là. Je reviens là. T'es sûr? Ouais, moi je suis rapide, tu vois ce que je veux dire. Mais là, c'est même plus rapide, Roya, à ce niveau-là. Bah, c'est expéditif, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, là, Roya, t'as fait. Waouh, t'es en Sky Priority, là. Ouais, moi je suis ouais, plus que Elmire, tu vois, vers l'au-delà, tout ça. Vas-y, bah, je t'attends à la station alors, vas-y. Vas-y, bah, je suis arrivé à la station là. Vas-y, tout de suite. Alors, ça a été? Parfait. Nickel, Troy, bah, écoute, tu me rappelles, hein. J'ai plein de filles de joie comme ça, que des grosses pites. Ouais. Un petit coup de fil et on est bien, quoi. On est bien, ok, vas-y. On va faire ça comme ça. Vas-y, big up, Mathieu. Allez, salut mon petit lapinou. Vas-y. Comment ça tu me vois comme ça, toi? Mais comment ça, mon petit lapinou, toi? Ah, écoute-moi bien, il a dit qu'il avait de l'argent. Attends, il t'a passé de l'argent? Oui. Non, il m'a donné un frident. Il m'a donné un frident. Je pensais qu'il t'avait payé, toi. Attends, ça veut dire que t'es plus de la gueule, regarde. Je l'ai pas mangé, j'ai...
Ouais, non, tu penses? Mais tu lui as fait quoi, là? Mais j'ai rien fait. Ah, c'est pas ce qu'il m'a dit, regarde. T'as dit quoi? Ah, il m'a dit, t'as cassé le qui, hein. Oh mon dieu. Mais t'as vu l'état de la voiture? Il a surtout détruit ta voiture. Ouais, mais attends. Bah, non, la voiture, elle est bien. Genre, bien, je pense que c'est plutôt l'état de ton cul, là, qu'il faut. J'ai absolument rien à voir dans cette histoire, j'ai rien fait, j'ai rien subi. Ouais, t'as rien fait, d'accord, mais t'as bien. Laisse-moi tranquille. J'ai rapidement. Je suis sûr. Ah, et le commandant? Oui, commandant Riggs. Oui, monsieur Canez. Oui, c'est moi. Oui, la procureure m'a dit avec le Gis Canez. Oui. Dites-moi, j'ai besoin de 4 petites infos concernant là. Oui. Oui, dites-moi, j'ai 4 véhicules qui sont pas identifiés dans nos registres là, mais mes voisins ils sont pleins, il faudrait que vous me dites que vous me donniez le modèle de vos véhicules. D'accord, alors on commence par lequel? C'est les plaques, vous avez un garage où vous les entreposez? Il y en a un qui est en liberté au Leskistoms en ce moment si tu veux. Bon, mais je vais arriver au Leskistoms. Et il y en a une que je suis en train de conduire là. Mais elle a pas de plaque en fait, elle a pas de plaque d'immatriculation. Venez au parking central, je vais vous dire la plaque. Parce qu'il y a encore mon véhicule, je crois, là-bas. Style au lourd. Oh. On m'a appelé comment là? Il faut l'étudier. Eh, tu bouges pas! Ah, c'est bon, arrête de crier comme ça, toi. Comment je m'appelle moi? Salut! Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il nous parle. Salut! Bonsoir. Il a vu les véhicules, celui-là. Vous avez dit quoi? Dit que vous avez un plus beau véhicule que l'autre spécimen là-bas. Attends, mais vous êtes qui? Vous êtes des êtres humains, vous? Non, on vient des cieux. Non, on vient pour vous. Mais Starfall, mais c'est quoi ça? Je suis, il se passe des trucs bizarres ici. Il se passe des trucs bizarres ici. Récupère mon véhicule. Vite, on se casse de là. Mais c'est quoi ça? C'est elle, ouais. Mais si, ça va? Ils ont des... Ah oh ouais, t'as 20 kilos, c'est... Mais il va vous bien, êtes cher, vous allez bien, monsieur? Oui, il va bien. Kilos. Ça marche, ça marche. Bah, bon courage, hein. Starfall là, mais c'est quoi ça? Oh merde, merde, merde! Aïe! Oh merde! 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 Oh merde! Je vais bien! Mais sûr, tu vas bien! Je vais bien! Oh, tu m'as fait peur! Vas-y, Wally, tu reprends le véhicule, s'il te plaît? Vas-y! T'es un bon! Let's go! Go! Et attention! Oh merde! Oh merde. T'as besoin d'aide? Ouais, j'ai besoin. Oui, termine le travail. Encore un peu. Encore un peu. Vas-y, tape-moi dans le cul. Vas-y, encore. Encore un peu. Oui. Oh, Adnan, ça va ou quoi? Ouais, ça va quoi? Ouais, alhamdoulilah, on est là. Vas-y, Wally, tape dans le cul. Oh là, c'est un brel. Un bourricot. Ah, c'est bon là. Alors, moi, c'est bon, vas-y. Ah là, c'est trop. Non, mais je peux pas, j'arrive pas. Tiens, essaye, Adnan. Essaye. J'arrive pas. En fait, le problème, c'est que ça monte trop au-dessus. Ça y est. Oh, Starfall, mais c'est bon. Mais arrêtez, non. Ah, sors mon cul, Ah, mais arrêtez, là, ça y est. Aïe. Mais oh merde. Bon, en vérité, c'est mérité pour Walid, hein. Oh putain. Mais qu'est-ce qu'il fait? Walid, c'est grave. Voilà, c'est grave. Non, mais voilà, c'est grave. Voilà, c'est trop grave. Tu peux m'aider? Mais je peux pas, Roya. T'as cru que je suis médecin ou quoi? Putain, mais c'est grave. Voilà, c'est grave. Annen, aide-le. C'est grave. Mais voilà, c'est que des cons. J'ai pris l'aileron sur le ventre. Que des cons. Ma parole. C'est trop, voilà. C'est grave, hein, d'être con comme ça. Alors, Adnan, t'as eu quoi, toi, hier soir? J'ai eu quoi? Bah, il s'est passé quoi au Habs? Ah. Mais j'ai quoi, quoi du tout, ça, mais voilà. Ah, je suis trop intelligent, mais... Vas-y, ça voilà, je les ai pas, je leur ai retourné le cerveau. Jure. Voilà, ça, Adnan, tu travailles dans quoi, en ce moment, là? Bah, en fait, j'ai envie de rentrer dans l'agence 6 mois, ça, mais... Mais justement, on va faire... vas-y, Walid, raconte-lui ton plan. Ah oui, écoute. Wesh, il a eu une... Ouais, il a de la latence de fou. Ouais, il a un ping de fou, hein. Non, c'est parce que j'ai reçu un message. Ouais, ça se voit qu'il a pas la fibre, lui. Moi, j'ai un plan, écoute. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on fasse une crack house. Hein? Une crack house. C'est quoi ça, une crack house? Une crack house. Ouais, une crack house. C'est pas la même chose, Roya. Ouais, c'est quoi, explique-lui. Non, c'est toi l'investisseur, c'est toi qui... Mais c'est toi qui m'as expliqué le plan, Roya, que tu me racontes. Écoute. Moi, je pense que Monsieur Khanez, apparemment, il est blindé. Je pense qu'il pourrait être l'investisseur et nous, on est les mains. Oui, mais Roya, mais parle du plan direct.
Mais je comprends rien, ça remet pour la sacrée. Voilà, mais c'est trop. On gagne de l'argent, on répartit l'argent. Mais quoi, y'a, mais dis-lui, investis dans quoi? Bah ouais, je sais pas de quoi tu parles. Putain, mais c'est trop. Wouah, Zama, lui, Krakhaus. Putain, lui, Krakhaus, lui. Mais il va aller au Habs, lui, oui. Voilà, il est rentré. Voilà, il est rentré au Habs hier, j'ai plus jamais croisé la soirée. Mais tu sais qu'il va balancer au flex, fils des chiens en plus. Oh, là, je te jure. T'es un scum ou t'es pas un scum? Il a dit, ouais, je t'ai envoyé la pause, envoie-moi le virement tout à l'heure. Mais trop que je me rappelle pas de toi, foiré. Alors là. Allez, la spéciale de Hamid. Hamid Banda, j'ai fait celle-là. Non, mais Asarbe, mets là le plan là, Krakhaus, là, je sais pas quoi, je comprends, Asarbe, voilà. Écoute. Mets des détails, Asarbe, je comprends rien. C'est très simple, on fabrique notre Krakhaus. Attends, mais c'est qui Fabrice, de quoi tu me parles? Fabrique. D'accord, ok. On fabrique notre Krakhaus. D'accord. Mais oui, mais oh là là, c'est trop. Ah, vas-y, vas-y, la spéciale, oh, la spéciale. Ouais, voilà, non, mais là, spéciale. C'est bon, là, en vrai. Voilà. Mais voilà, il comprend pas, lui, je te jure. Non, voilà, qui fait exprès, pas normal. Hein, spéciale. Eh, ouais, les potes, vous croyez que j'ai... moi, je suis... Quand vous montez ici, je commence à devenir serein. J'ai plus peur, ici. Qu'est-ce que vous croyez? Mais voilà, voilà, tu vas descendre, quelqu'un. Vas-y, descends, ouais. Descends. Descends. Voilà, descends, descends, descends. Descends, descends, descends. Oh, putain. Oh, ça va tirer dessus bêtement. Oh, ça va tirer dessus bêtement, Roya. Ça va tirer dessus bêtement, Roya. Fais-moi des premiers soins avant. Qui a plus spécial? Déjà, tu sais même pas expliquer ça, mais un bête blanc de Krakhaus ou je sais pas quoi. C'est vrai, t'aurais pu expliquer quand même le plan. Allez, monte, viens, viens, tu vas nous expliquer ça. Enfin, hé, face au vide, porte tes couilles, fais l'Algérien, porte tes couilles. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, vas-y, Roya, Roya. Oh là, s'il explique bien, tu cibles pas pendant que tu es d'accord. Encore, avance un peu. Oh, Mohem. Vas-y, Wallid, bah regarde-nous, regarde. Là, on te cible de l'autre côté. Écoutez, moi, c'est très simple. ok. Écoutez, moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'on produise notre propre marchandise. Ouais. On la produit, bim, à marchandise de quoi? Attends, j'entends rien avec la pluie, attends, 10 minutes. Ok. C'est bon, vas-y, parle. Ok. Vas-y, je t'écoute. Ok, tu vas faire ça, Mathieu. Ouais, t'inquiète. C'est très simple. Moi, je pense que... il faudrait qu'on produise notre propre marchandise et on... Mais tu vois, encore une fois, il est pas assez clair. Quelle marchandise? Ok, marchandise de quoi, ça? Mais la droga, la droga. Oui, mais quelle drogue? Quelle drogue? Ouais, quelle drogue? Moi, je vous propose peut-être de la coke. Ok, d'accord. Vas-y, la coke. Vas-y, de A à Z. Donc, t'as de la coke, ensuite. Bim! Moi, je connais des gens qui seraient intéressés. Bim! On essaie d'étudier le marché. On voit combien ils proposent. On l'a fait au même tarif. Hop là! Eux, ils la vendent. C'est nos petits. Ils travaillent pour nous. Full bénéf pour nous. Thanks. Ok, et on va se faire une marge de combien pour chaque dose? T'as fait une étude du marché ou pas? Non, pas encore. Je l'ai pas encore fait. D'abord, j'ai proposé. Si tu acceptes, je fais le nécessaire. Ok, et c'est qui ces mecs-là? Vas-y, Adnan, cible. Voilà, bien, sahbé. Voilà. Et ben voilà, problème. Mais rigole pas, putain. Rigole pas, putain. Mais voilà. Mais je suis avec des cons, mais voilà. Je suis avec des cons. C'est trop. Ben voilà, c'est trop. Voilà, c'est trop. Voilà, c'est trop. Mais je suis avec les pires. Voilà, mais quel business tu veux faire avec eux? Mais c'est trop. Oh, putain, c'est trop. Voilà, c'est trop. Mais Aden, quand je t'ai dit Siyib, c'est pas toi, c'est lui. Il est pas dans les plans, regarde. Oh putain. Oh non, merde. Attends, oh, je prends un défibrillateur. Alhamdoulilah. Écoutez, moi c'est très simple. Ou à la limite, ce que je veux vous proposer. Mais tu vas la faire où, la Krakhaus, du coup? Dans un coin un peu discret, je dirais dans un petit quartier tranquille. Ouais, calme. Comme les balas. Ouais, un petit quartier comme ça, ouais. Ouais, c'est l'idée que je t'ai donné, quoi, en vrai. Voilà. Bah, non. Là, hier, j'ai entendu, tu vois le truc des réunions des tables, là, table ouais, ronde, ouais. Là. Oui. Oh, là, qu'ils ont dit que LSO, il était en vente, hein, sahbé. Oh, il y a qu'on le récupère. Combien? Je sais pas, mais il y avait des gens, ils étaient venus, ils ont dit, ouais, nous, on est là pour les sommes. Ils ont dit, les sommes, et pas tout de suite, c'est la prochaine fois. Ok. Donc, ça veut dire qu'il est en vente. Vas-y, faut rester à l'affût. T'es chaud ou pas, vraiment, on le reprend? Ah, croyez, j'ai déjà le beurre échaud et le Galaxy, moi. Ah, bah vas-y, mets-moi investisseur, sa mère. Bah vas-y, si tu veux. Par rapport au braquage là, et puis je te rire, faut revendre ça chez qui? C'est un Benadem, je vais rencontrer, t'inquiète, Akhoya. Moi aussi, t'inquiète. Ah, t'inquiète, je connais un Benadem. Il reprend combien? Il reprend combien? Il reprend au meilleur prix. Bah vas-y, vas-y. Tu vends quoi? Bah tu vois là, le diamant, les peintures et tout. Mais ils sont où? Là, chez moi. Vas-y, ramène. Vas-y. On y go, let's go. C'est quoi le programme de l'ALE? Le programme, bah rien, on va juste vendre, puis c'est tout. Alors on s'est fait attraper par la police. Tout à l'heure, mais on s'est évadé. Vous avez fait quoi? Ce Hamar de Walid, il m'a poucave. Mais je l'ai pas poucave! Je te jure, il m'a poucave. Il a envoyé la position, il nous a retrouvé.
Position de quoi? Position de quoi? C'est ce que t'as dit? C'est ce que t'as dit? Position de quoi d'ailleurs? Tiens, tu vois. Bah, il est skistom, c'est Alhamar. Tu lui as dit, ouais, t'as bien reçu la position que je t'ai envoyée, n'oublie pas le chèque. Hein? On entend? Ah ouais. Oui, on t'entend pas, t'es grande gueule. Donc, si demain on a une galère, faut pas compter sur lui, quoi. Mais clairement pas, lui-même c'est une galère. Ah ouais. Mais j'ai absolument. Non, excusez-moi pour la chose. Je suis sûr que tu chicumes toi-même en plus. Et voilà. Ouais. C'est lui là? Ouais, c'est tonton. Vas-y, je vais lui parler. Oh là, Poche tonton, si elle veut ou quoi? Ah, il prend tout en fait. 76 000. Putain, il veut rien me reprendre ce con. Ah ouais? Bizarre, ça m'a l'air en il m'a dit casse-toi de là, repasse plus tard. Okay. Tu veux que je parle? Moi je le connais, ça. Non, je connais Mathieu. Va lui parler, va lui parler toi, Walid. Non, Walid, va lui parler toi. Vas-y, Walid. Ok, j'y vais, mais. Allez hop, 76 000 divisé par 2, croyant. Allez hop. Ah, c'est bien, on partage pas avec les balances. 60, bien sûr, on partage pas avec les balances. 76 000, croyant. Attends, je te passe la moitié. Tu l'as baisé. Non mais ça, entre nous, t'as vraiment balance. Mais voilà, il m'a balance, il a dit au flic, t'as bien reçu la position que je t'ai envoyée, t'es moi. Ouais, alors même sa démarche, elle est bizarre. Ah, c'était mérité. C'était mérité de fou, espèce de poucave, hein. Attends, quel poucave? Bah allez, arrête. J'ai pas une poucave. Alors, il a voulu t'acheter un truc ou pas? Bah non, j'ai rien. Ah bah voilà, tu vois. Ah bah oui, t'es con. Bon, c'est pas grave, mais Alice. On sait rien pour une fois, quoi, il sera. Mais je pense qu'il a senti que t'étais petite pouca, bah ça arrive. Bah, c'est ça en fait, il m'a dit le mec derrière elle, je le sens pas trop. Hein. Il a dit ça sent les Schmitt. Donc. T'as pas dit ça sent le shit même? Non, les Schmitt, il a dit. Schmitt. Oh putain. Donc en fait, j'ai investi et tout, et au final, j'ai récupéré. Mais t'as investi dans quoi toi? Bah, j'ai investi dans. Eh, ouais, t'as la bombe, tu l'as pas encore fait, t'as servi à j'ai investi dans la bombe. Écoute, combien la bombe? 20 000. Ouais, là, 20 000, t'es un menteur. Non, 10 000. Et viens, on va au casino, on va tenter notre chance. Ah, ils attendent la roue, tu m'as rappelé, voilà. Ça fait très longtemps, moi aussi. Une fois, voilà, j'ai gagné la voiture. Après, on m'a dit poisson d'avril. Ah, j'étais dégoûté à ça, mais. Ah ouais? Ah, je me sentais baisé, voilà, j'ai crié. Moi, j'aurais pas rigolé, croyez, y'a pas de poisson d'avril, hein. Et quoi, Zama? J'aurais dit quoi au responsable? J'aurais dit, je m'en bats les couilles, je pars avec la troupe, c'est quoi? Ah ouais, y'a pas de poisson, ça va pas ou quoi? Vas-y, moi, je vous propose un truc, télévé. Tout ce qu'on gagne maintenant au casino, on le partage entre nous. Bah, au moins, moi, toujours je partage un croyant. Bah, tu sais quoi, on partage entre nous, balance, t'as vu, entre nous, scum. Ouais, vas-y, entre nous, balance. Mais moi, j'ai toujours, toujours croyant, toujours. Sur quoi? Ça, c'est ma place, hein. C'est ma place, hein. Ça, de base, c'est ma place. Attends. Mais ça, non, mais attends, mais je te jure, c'est ma place, ça, les gars. Mais voilà, de base, c'est ma place, ça. Voilà, c'est bon. Monte. Allez, c'est moi. Non, mais là, on est bien, là, c'est ma place, là. Let's go Drano Casino! Oh, ça arrive, t'as pas de piste! Bismillah! La voiture! Rejouer! Rejouer! Alors là, ça sent bon là! Rejouer combien de fois? Let's go! Bah, un seul lancer gratuit! Ah, dommage! Et là, c'est qui te remet à rejouer encore? La voiture! Tu penses qu'elle explose les voitures là? Et la drums! Oh, vas-y, j'ai une bonne question. Attends, on va voir si elle explose. Attends, laisse-moi juste tourner la roue et après fais ça. Vas-y, si on gagne pas. On fait tout sauter. Ça fait gagner les voitures ou pas? Bon, non, c'est mort. Attends, mais Khoya, si je gagne la voiture, tu vas pas la faire exploser, Sahbé? Non, mais de toute façon, on a rien pour faire exploser de toute façon. Voilà, ça pue. Allez, monsieur Family, ça va? Ouais, ça va et toi? T'as joué ou pas? T'as joué? Non, pas encore. Vas-y, let's go. J'espère que tu gagnes la voiture. Wallo! Hey, Mathieu, oui. Là, je viens de me rappeler d'un truc de ouf. Ouais, vas-y, il faut que je te parle d'un truc là. Ouais, dis-moi. Attends. Je suis avec Mathieu, il y a deux de ses potes. Ouais. Mais il s'est passé quoi là, monsieur? Monsieur, je sais pas. Il y a ma voiture là, elle a explosé. Putain, mais. Oh, viens, on te dépose. Oh non, je pensais pas que t'étais un joueur. Non, Walid, qu'est-ce que tu fais à faire l'enfant comme ça là? Pourquoi tu fais l'enfant comme ça? On vous dépose où? Je sais même plus où je vais maintenant, il y a plus de voiture. Non, mais de base, vous allez maintenant. Vous allez où là? Bah, je devais retourner dans le nord quoi. Oh, bah allez, on vous dépose. C'est où dans le nord à peu près? À Paleto. Allez, wow! Il est con lui. Monsieur! Ah! Ça va? Ah, sa mère! Ça va? Ouais, ça va. Allez. Ah non, c'est moi qui suis en tort! Merde, désolé! Allez-y, passez. Allez-y. Bah, je voulais y aller là en fait, c'est pour ça. Allez-y, je pense après vous, allez-y. D'accord, ok, ça marche, allez-y. Allez-y. Ta mère à qui? Attention. Ah bah, je fais du métier, monsieur. Attends, tu sais quoi, on va aller en hélicoptère à Paleto, c'est bon?
Ah voilà, ok, c'est mieux, c'est mieux. Attends, comment ça va? Attends, comment ça va? Comment ça c'est mieux? Non, non, c'est. Non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ah, mais on avait à terre, c'est ça, on avait à terre. Ouais, j'ai l'air dit, ouais, c'est mieux, c'est mieux. Tu fais quoi à Paléto? J'habite là-bas. Ah, t'habites là-bas? Mais. Bah, alors qu'est-ce que tu fais dans le sud alors? Le petit paysan. Alors, je joue au casino. Ah, ouais, c'est vrai, y'a pas de casino dans le nord, c'est dommage ça. Et depuis quand le paysan il joue au casino? Les bouseux là. Du coup, les bouseux là, les charailles. Ah, je parle des onils là, les petits onils de merde là. Je les connais pas, je sais pas si qui. Ah, tu t'appelles comment? Gunther. Ouais, les petits Gunther des merdes là. Hein, on parle pas, on les connaît pas, hein. Oh, oh, on va se calmer, hein. Les petits Gunther travaillent, ah ouais, parce qu'on connaît pas. Non, on se calme. Non, désolé, désolé. Après, c'est vrai qu'ils ont une réputation. Oh, les Américains, vous êtes comme ça, hein. Pourquoi, t'es quoi, toi? Je suis allemand. Oh, vous devrez avoir honte après ce que vous avez fait pour la Seconde Guerre mondiale. C'est très grave. Baisse les yeux, baisse les yeux quand tu me parles. Baisse les yeux. C'est pas moi, hein. C'est ton grand-père, c'est tout, hein. T'as pas une tête d'allemand, pourtant. Ah bon? Non. Ah, t'as une tête d'allemand, cousin. Ben là, on va t'offrir une chance de racheter, cousin. Ouais. Tu vois où t'emmènes là? Où? Ton avis. Là, on va te donner une chance de te racheter, d'accord? Voilà, t'as tout compris. Dis-lui, Mathieu Wallem, dis-lui. Oh, en enfer, regarde. Comment ça, en enfer? T'inquiète pas, regarde, t'inquiète pas. Là, tu vas aller au Maroc. Ah là, attends, on va faire un petit collage déjà. Ouais, la base. Collage. C'est la base, hein, Gunther. La qualité allemande, Gunther, hein. Ouais. Bien sûr. Est-ce que ça passe? Non, je pense que ça passe. Ouais, ouais, ça passe. Et hop! Oh, oh. Tu vois, ça passait pas avec le truc, j'en étais sûr. Ça cause Gunther, ça. Ouais, ça cause de Gunther, ça. Gunther, t'as crié comme un fou, là. Ouais, je suis un berger allemand dans la voiture, ou quoi? Gunther, il a crié comme un fou, y'a eu aucun Gunther, décollage. Gunther, ça va? On a atterri direct, ça. Y'a eu aucun décollage, il a crié comme un fou. Ok, Gunther, pas besoin de t'énerver pour si peu, Gunther. Tranquille, Gunther, tranquille. Allez, go. Comment ça, je suis culotté? Voilà, tellement bien. Allez, go. C'est quoi cet avion, là? C'est pas un avion, croyant. Oh putain, un avion, il a dit. Ouais, non, touche pas à ça. Non, Gunther, monte devant. Adnan, va derrière. Ah là, trop, c'est regarde travers là. C'est bon. Non mais y'a personne là, croyant, wesh. Je sais pas où je me suis embarqué là, les gars. T'inquiète pas, Gunther. T'as pas dit Zarma, tu veux aller à Paléto? Ouais, mais Paléto, on est en voiture. C'est mieux que du ça, coup, t'habites où à Paléto? En face de la banque, dans le motel. Attends, dans un petit motel. Putain, de ça fait loin, croyant. Bah, je suis pas millionnaire, hein. Attends, Gunther, c'est pas toi qui vendais. Oui, c'est toi qui vendais de la weed dans le nord? Sûrement. Oh! Miskin Gunther, tu l'achètes où ta weed? Chez les marins avant. Pourquoi avant tu les habitais? Bah, ils se fait tuer. Quoi? À ton avis, c'est qui les a tués? On le dit ou pas? C'est nous, mon pote! Ah bon? Ouais! Quand ça nous met de la concu, qu'est-ce qu'on fait? Ouais! On fait le ménage! On fait le ménage, croyant! Avec les mitraillettes là? Ouais! Non, ça sert à rien, c'est un petit drone ça! Oh, t'inquiète, ça sert à rien comparé à ce que Rennes y peut sortir, t'as vu? Ah, dis-lui, Rennes, la carte illimitée du tonton au Maroc, hein, dis-lui! Ah, les chars 4, ouais, les chars 4! Y'a tout, Western Union, y'a tout! En dessous! Aïe! Oh, mais vous êtes fous! Bien joué! Je crois que j'allais à pied, moi, en fait! Tu m'as pas fallu 30 secondes pour comprendre, il peut pas piloter et parler en même temps, ça va me laisser se concentrer. Bah ouais, je peux pas, c'est compliqué. Si tu sais pas piloter, donne la Walid. Ah, moi je sais piloter. Je suis le meilleur pilote d'hélicoptère de Los Santos. Ah ouais, tu vois ce que tu peux faire, croyant. Pas le petit pouce là, le petit. Non, ça passe pas, ça passe pas. Alors, t'as vu le pilote ou pas? Arrêtez de tirer, wesh. Bah ouais, Walid, arrête de tirer. C'est Adnan. Ah là, tu vois, il est vrai pour cœur. Faut assumer Adnan à un moment donné. Tu m'as balancé direct, t'as pas hésité. C'est normal, il pensait que c'était moi. C'est comme ça que t'as fait hier avec Mathieu, hein. Quand t'entends pas Blito, tu me manques. Qui t'entends pas Blito? C'est mon oncle, croyant. Ah, ton petit tonton. On va le voir. Mais croyant, il l'a tué dans la chambre des gaz. Ah ouais, c'est mort. C'est des chiens, hein. Ouais, c'est fou, du fou. Ah oui, hein, un allemand peut-être. C'était ton cousin ou pas? C'est ton cousin, ça. Non, moi ma famille elle est pas comme ça. Ouais, elle est comment? Elle est droite. Droite, c'est-à-dire? Ouais, elle est extrême droite surtout, hein. T'as vu? Ah ouais, celui-là, ouais. Y'a une piscine vide, hein, c'est ça? Non, ouais, elle est. Vas-y, saute dedans. Saute dedans, je t'ai dit, Gunther. T'as un parachute, t'inquiète. Dépêche-toi, là on est bien, là, c'est pas très haut, regarde. Je vais mourir, les gars. Allez, je te pousse, j'ouvre la porte, arrête, allez, dégage. Enculé, va. Il est tombé. Ah bah voilà, c'est bon. Ça passe, là, non? Là, c'est bon. On a livré le colis, ici. Dégage. Mais t'inquiète. J'aime pas trop ce bruit, regarde.
Mais t'inquiète, arrête de stresser. Allez, après c'est Walid qui va piloter. Mais Gunther, mais fallait me dire qu'il n'y avait pas d'eau, Gunther. Putain. Sinon, quel est l'intérêt de sauter dans la piscine, Gunther? Ah, tu réfléchis pas, c'est Gunther. Allez, Gunther, lève-toi. Je crois qu'il s'est juste foulé la suite, t'as vu? Ça va? Bah voilà, mais fallait me dire qu'il n'y avait pas d'eau. Moi, je pouvais pas voir depuis l'hélicoptère. Ah bon? En plus, ça se voit qu'il avait trop envie de sauter en plus, non? Non, ouais, j'avais pas envie de sauter, on m'a forcé. Pourtant, on t'a retenu, on a dit non, saute pas. On t'a dit de pas sauter en plus, hein. Ah ouais. Ah, vous êtes bon, les gars. Tu nous as même dit, comme les SS. J'étais choqué, quoi. Ah, vous êtes allez, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, je vais t'aider à te relever, vas-y. Tiens, un bandage, tiens. Ah, merci. Oh, ouais, vas-y. Ouais, allez, prends ton numéro pour la Kharkov. Vas-y, c'est quoi ton numéro, Gunther? Ah, ok, Gunther, ouais. C'est 104 312. Allez Walid, let's go. 30 secondes on meurt. Comment ça, pourquoi? Non, je suis un bon pilote. On meurt. Attends, il y a pas un parachute ou quoi? Non. Donc là Zama, ma fille, elle est très loin de Walid. Ouais, tout à fait, ouais. Une petite poucave Zama qui pilote un hélico. Attends. Mais ouais, c'est atterri, mais tu vois. Mais c'est très grave, voilà, c'est très bouge, grave. Bouge, c'est bon, mais bouge. Mais c'est très grave, voilà, c'est très grave. Quoi, j'ai bien géré. C'est quoi ce bip bip? Y'a un bip bip là? Voilà, c'est un bip bip. Ouais, j'entends un petit bip bip. Ouais, l'arbre, là, l'arbre, croyez à l'arbre. Vas-y, slalom dans la forêt, slalom. Non, je suis pas aussi bon pilote. Non, mais apparemment, j'étais pas bon, c'est pour ça. Ah non, mais moi, j'ai. Ouais, mais moi, tu vois, je peux faire deux choses en même temps. Oui, bah oui. Ça se voit d'ailleurs, hein. Bah oui, regarde. Ouais, piloter ou mourir en même temps, ouais. Non, je sais pas, mais comme ça, moi, je. Oh là là, mais comment t'es jaloux. Ouais, je me. Oh, on perd. Non, on perd de l'attitude. Non, c'est Mayday, Mayday, on perd de l'attitude. Sérieux? Si jamais c'est obligé d'atterrir, atterrir dans la mer, ça serait bien, voilà. Atterrir dans. Non, amérir, quoi. Allez, tu sais quoi, on va. Voilà. Sur le pont, vas-y, sur le pont. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que j'atterris? Bah, regarde, si on perd de la vitesse, oui. Oh! Attends, non! Remonte! Mais je veux pas! C'est bon! Oh non, évite la base militaire! Oh, on contourne! Ouais, t'es un malade, toi! On contourne! On est fou, moi, on a des principes quand même! Oh là que j'ai mal au ventre derrière! Ah, on perd ses cojones maintenant, hein! On perd ses cojones, hein! Ah! Je perds de l'attitude! Non, mais t'es sérieux là? Ouais, non, vraiment! Oh putain! Attends, tu vas essayer de monter? Oh, regarde, y'a de la fumée qui sort! Non, ça c'est l'aérodynamisme. Ah, hein, bonhomme, on va arriver comme ça, bonhomme. Non. Tu veux que j'atterris où? Bah, là où on a pris l'hélicoptère par hasard. À l'aéroport? Ah, ouais, okay, ouais, par exemple. Ok, tu veux pas peut-être sauter avec le parachute qu'on cesse? Mais t'es un malade toi ou quoi? Mais quoi, tu voulais pas acheter un nouveau véhicule? Mais oui, mais je vais pas atterrir en parachute. Ouah, j'entends. Salam, bon courage, salam. Walid! Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, la vérité? Eh les gars, je vous ai fait un film d'action, quoi. Oh, je t'ai fait un... Oh là là. Eh les gars, quoi? Oh, je suis le meilleur. Oh là, j'ai fait un film d'action, c'est incroyable. Oh merde, oh, tu pisses le sang, Walid! Il pisse le sang. Lève-toi, il pisse le sang. On dirait nous. Oh merde, toi aussi? Oh putain. Attends, je vois. Oh merde. Voilà, il fallait pas le laisser à la télé. Mais il est trop bête, voilà. Ah, et voilà, mais Walid, tu es le pire, ouais, t'es le pire. Mais j'avais trop bien géré jusqu'à ce que. Je crois que j'ai paniqué, j'ai perdu connaissance, putain. Ouais, d'accord, il a perdu connaissance. Et là, tu. Putain, t'es mal, il y a un morceau là-bas, un morceau là. T'as surtout perdu le contrôle, là, ça fait. Astaghfirullah. Eh, j'ai trouvé une voiture GTA 3. Quoi? Une voiture GTA 3. Non, attends, viens, descends, je te porte. C'est chiant, le coffre. Mais bon, d'accord, monte. Non, je rigole. Parce que. Il sentait baisé. Il dit wesh à chaque fois, les gars. Walid, faut que je te donne des cours de pilotage, je crois. Ouais. Ça va pas du tout, croyant là. Ouais, faudrait peut-être que je passe mon permis avion. Passe ton permis de jet au cours. J'ai mon permis. Ouais, ça se voit pas. Ah, hein. Oh, pilotage, t'as pas vu. Ça se voit vraiment pas, ça va bien. Hier, ça s'est vu. Ouais, pilotage, j'ai envie de te dire. De quoi ça s'est vu hier? Oublie pas, ça fait attraper hier. Bah, quand il est au bowling, c'était qui est au volant? Oh non, dommage. Putain, faut que je me réentraîne, les gars. Ah, espèce d'enfoiré. Allez, montez. D'habitude, ça passe, hein. Là, t'as essayé de faire quoi? T'as perdu contrôle ou c'est comment? Ouais, non, j'ai perdu connaissance comme Walid. Attends, du coup, t'es pas recherché, toi? Non. Moi, je suis recherché. T'es wanted, pourquoi? Ah, mais apparemment, j'aurais agressé un agent ou je sais pas quoi. Mais bon, après, tu connais, dis ça parce que je suis un arabe, tu vois. C'est bien. Moi, je suis un citoyen modèle de fou, moi, de base, en vrai. T'es ma.
Attends, prends ma tête d'éponge comme ça là. Roya, c'est décapotable. J'avais oublié, Roya. T'as atterri quand même sur le 4 roues. Oh man. Bon, il manquait le chauffeur, mais ça va. La vérité, la voiture, il est éclatée le skin là. C'est en train de vendre sur notre territoire. C'est en train de vendre sur notre territoire. Les gars, les gars, c'est, les gars. C'est quoi ton territoire? C'est tout ça, c'est tout ça. Jure, vas-y, descends. Y'a un souci? Ouais, oh, y'a un ou quoi? Bien sûr, y'a un souci. Bien sûr, y'a un souci. Ouais. Mademoiselle. Putain, tu viens de mettre des coups de pression comme ça là. Ah ouais, y'a un souci. Non, y'a zéro coup de pression. Ah, je pense. Ça va, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, donc. Bah, je sais pas, dites-moi, ça va ou pas? Tu t'appelles comment, madame? Je m'appelle Holo. Hein? Oh, Holo. C'est pour ça que tu vends des grammes, parce que ça fait hologramme, c'est ça? Exactement. Puis tu viens d'où? Je viens de London. D'autres questions? Ah oui, LTH, TDH, je sais pas quoi, VIH. LTH. Ouais. Donc t'étais en train de vendre de la weed sur mon territoire, c'est bien ça, Holo? Sans pression. Putain, ça c'est honteux, vraiment. Allez, cours. Allez, on donne une chance. Cours, vite. Ils vont t'arrêter. T'es mes potes, tranquille, ils vont pas m'arrêter. Ah, ça m'a des ripoux et tout. Ah, c'est tes potes? En plus, tu travailles avec les flics. Ouais, t'as travaillé avec la police, putain. Une vraie pouquille, hein. Mais c'est grave, des fous. Là, je vais le dire à ton gang, ce soir, t'es morte. Ouais. Putain, vas-y. Si on me revoit pas demain, c'est terminé. Je te vendrai plus de fringues au Suburban. Tu m'as vendu quoi? Ah, ça va, c'est assez. Je sais pas, mais je t'ai vu aujourd'hui. Oh. Je t'ai vendu du rêve, alors, c'est ça? Mais toi, tu m'as rien vendu du tout. Ouais, exactement. T'as pas oublié, j'ai envie de te dire. Ouais. Eh, Holo. Ouais. C'est mon territoire ici. Ah, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais t'as pas vu que c'était tagué ici, Mathieu? Tu vois, là, en fait, si tu veux, le Burger Shot, c'est à moi. Je suis PDG en fait du Burger Shot, tu vois. Arrête! Je te jure, je m'appelle Mathieu Hanes, PDG du Burger et du Galaxy. Et en fait, comment du coup. Tu deals des burgers dans la rue, toi? Non, mais pas des burgers, moi je deal pas. C'est juste, c'est mon territoire. Genre, en gros, si tu veux vendre, tu me demandes la permission et puis je te dis oui ou non, quoi. Et tu payes aussi une petite cotisation. Bien évidemment. Arrête. Vas-y, donc, vas-y, tu rentres dans le bis comme ça, genre le jour ça vend des burgers, la nuit ça met des taxes au concept de weed. Je crois que je vais me laisser piétiner par une londonienne qui boit du thé et du bacon à ce soir. T'es malade. C'est bien noté, c'est bien noté. Et dis-moi, du coup, tu prends combien? C'est combien la location du terrain? Raconte-moi. Ah, regarde-moi, y a pas de location. Regarde, là, on parle, parle-moi flou, parle-moi de location. Je crois que c'est LS Home, si, ou quoi? Je sais pas, c'est toi qui viens de me dire ça. Tu m'as dit fallait payer un truc. Ah, pétasse. Tu vends combien? T'arrêtes de vendre ici? Ouais, exactement. C'est une bonne décision, c'est super. Tu m'intimides trop, je sais pas. C'est normal. Regarde bien son t-shirt. Regarde son t-shirt. Je suis le danger, c'est moi le danger. Attention, il y a des trucs partout. J'ai entendu parler. À tout moment, tu deviens une cible. Tranquille, je me frotte pas. D'ailleurs, Oh non, tu peux te frotter, y'a pas de ça me gêne pas. Hein. Oh, merci. Mais par contre, y a tes potes là, hier, j'allais les goumer au Beniz. T'as bien vu? J'ai entendu, je monte en pression. Attends, y'a quoi? Il s'est fait engueuler après, tranquille. Y'a quoi? J'ai raté quoi? Je l'ai calmé, je me souviens. C'est pour les grands, vous inquiétez pas, c'est pour le business. Toujours les mêmes, heureusement. Bah, vas-y, Holo. Tranquille. Je te laisse repartir en V pour cette fois, vas-y. Vas-y, force à toi, voyou. Vas-y, tranquille. Attends, Holo. Mais t'as rien oublié? Même pas, tu me donnes ta carte de visite ou tu me demandes la mienne? Bah, non, désolé, bah ça va, je saurais te trouver. Tu travailles pas. C'est quoi ton numéro, dépêche-toi. Note, Walid, note. Oh putain! Walid, tu notes. Walid, tu notes. Allez, ok. C'est le 597-680. Bah voilà, il suffit de demander. Ouais, gentiment! Je demandais si gentiment. Mais ouais, appelle Walid, appelle pour voir si j'ai le numéro. Allez, je vous jure, c'est mon numéro. C'est pas son numéro, une balle dans la zone. Ah ouais. Ouais, ça va. Fais-moi ton identité, s'il te plaît. Joy D. Queen alias Holo dans la rue. C'est bon? Ah, donc c'est Holo ou c'est Joy D. Queen? Je sais pas quoi. C'est Holo, y'a que lui. T'as vu qu'il s'en a pas de ça? Ok. Vas-y alors, ça marche. Tu vends des quoi sans indiscrétion? Parce que nous on a de la cam de fou. Hein. Putain, vas-y, raconte-moi tout, t'as quoi? Bah, tu vends quoi? Là par contre, je suis un peu occupé, je suis un businessman par contre. Ah, oh, pardon, excuse-moi. Mais de toute façon, t'as le numéro de mon pote donc voilà quoi. Tranquille, vas-y, on va l'appeler. Ça va toi? Ouais, bah, quand même, mec, qui a une cheville en moins. Voire deux. Deux genoux en moins. Allez, tiens, pas de cuisse. C'est bon, allez, ah, finalement, ça va mieux. Putain, ça fait du bien. Oh, allô? Mais t'es où, Roya? Je suis parti chez moi. Donc toi, en fait, on te donne l'argent, tu vas chez toi. Je pensais que t'allais dormir après. Attends, j'arrive. Je dois te dire un truc. J'ai pas très confiance. Après, tu vas me dire que je suis une poucave, ceci, cela. Croyez, mais non, je vais te montrer mon nouveau véhicule, si tu me racontes. Vas-y, c'est bon, vas-y. T'es mort, Croyez, t'es mort. Il est pas stylé, s'il te plaît, il est pas stylé.
Allez, bonne nuit, bisous. Putain.